Il semblerait qu'un coup de cœur amical soit en train de se produire dans l'émission Les Grosses Têtes. Ce mercredi 25 octobre 2023, Adil Rami a fait sa première apparition aux côtés de Laurent Ruquier dans Les Grosses Têtes sur RTL. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien international de football et défenseur de France s'est fait remarquer. C'était sa première fois, et pourtant Adil Rami avait tout d'un professionnel. Tout nouveau dans l'équipe des Grosses Têtes de RTL, l'ex-joueur de football ne s'est pas laissé intimider, bien au contraire. Très à l'aise, il a rapidement pris confiance, n'hésitant pas à taquiner ses collègues. La chroniqueuse et actrice Valérie Mérès s'est vue demander si elle n'avait pas fait partie du casting du film Les Tuches. Et oui, il semblerait que le sportif ne maîtrise pas que le ballon rond, mais aussi l'humour. C'est d'ailleurs pour ce trait de caractère que l'ancien footballeur professionnel aurait été recruté. En expliquant son choix, Laurent Ruquier a confié beaucoup apprécier le tempérament rieur de l'ancien défenseur de l'équipe de France. On sait qu'il est drôle, que c'est effectivement celui qui mettait l'ambiance au sein de l'équipe de France, a annoncé l'animateur télé. Malgré cette déclaration, Adil Rami ne s'est pas laissé attendrir et l'on peut dire qu'il n'a pas épargné l'ex-présentateur de l'émission On n'est pas couché. Adil Rami, l'ancien footballeur n'épargne pas Laurent Ruquier sur le plateau des Grosses Têtes. C'est au détour d'un moment touchant qu'Adil Rami a saisi l'opportunité de se jouer de Laurent Ruquier. Alors que ce dernier soulignait un détail concernant le petit ami de Léna Guillou sur sa façon de parler, il s'est vu recevoir une réponse cinglante. « Je n'avais jamais remarqué, et je trouve ça très touchant », a entamé Laurent Ruquier avant d'être coupé par le principal concerné. Le cheveu sur la langue. C'est écrié l'homme de 37 ans. Un point commun qui n'a pas empêché les deux collègues de faire preuve d'autodérision. Oh ça me fait plaisir, on est deux. Il faudra qu'on vous présente Isabelle Mergot, on fait une collection, s'est esclaffé le compagnon d'Hugo Manos. Une perche qu'Adil Rami a su saisir très rapidement, et moi je vous présenterai Valère Germain, on fera un quatuor, a-t-il répondu. Visiblement, ces deux-là semblent s'entendre comme cul et chemise.